Votre sortie doit se faire en toute discrétion. Vous n'avez pas de temps à perdre en combat inutile. Vous savez, votre réputation n'est pas très... Oui, je sais. Faites attention. Et surtout, bonne chance. Pas besoin. Vous verrez. Erika s'éloigne alors du château, recouverte d'une cape pour que personne ne la reconnaisse. En haut d'une tour, la reine l'observe en se demandant si... Alors, on est inquiète, hein? Mais... Ah oh, ouh, oh mais ça fait mal! Hier, j'ai gagné mon duel contre Sophia Lerisson. Wouah, sérieux? Combien vous avez gagné? 800 PK. Wouah, à ce train-là, vous allez devenir riche. Oh, t'inquiète, une fois que je serai reine, l'argent coulera à flot. Vous allez défier la reine? Évidemment, tu crois quoi? Oh. Faut que je me dépêche avant que l'autre bouffonne prenne sa place. Vous voulez dire la princesse? Bah ouais, elle deviendra automatiquement la reine juste parce qu'elle a du sang royal. T'imagines, une faiblarde comme reine. C'est clair, on se taperait la honte internationale. Elle a le niveau d'un gamin. Personne ne veut faire de duel avec elle, ce serait trop la honte. Mais et si elle avait progressé? Impossible, c'est grillé dès l'enfance, ça. Une faible reste faible, à vie. Complètement énervée par des propos aussi diffamatoires à son égard, Erika se dirige d'un pas décidé vers cette prétentieuse, bien décidée à lui faire avaler ses gencives, quitte à griller sa couverture. Alors qu'elle va lui faire goûter sa lame, la maîtresse d'armes s'interpose entre Erika et cette personne. Remettez votre capuche et rangez votre épée. T'as un problème? Hey, salut mon beau. Que fait un si beau jeune homme en si mauvaise compagnie? Je peux m'occuper de toi si tu veux. Hé! Ôte tes sales pattes de là! Il est à moi! Attends-moi là, je reviens. Tu vas me le payer en fleurs! Curieuse, la prétendante se rua sur la maîtresse d'armes, bien décidée à lui faire avaler son caquet. Pardon? L'échange fut bref, car notre maîtresse d'armes effectua une série de mouvements extrêmement rapides. En l'espace d'un battement de cils, l'épée de son adversaire se retrouva brisée et une bonne partie de ses vêtements à terre, complètement en lambeaux. Oh mais que... Ne regardez pas, ce n'est pas une scène pour un noble gentilhomme. Ah oui, vous êtes là, j'arrive. Ah, rhabillez-vous. Non, mais n'ayez pas peur. Non, mais on l'a pas, on s'y croit pas. Non, attendez, elle m'a pris de court. Rhabillez-vous. Ne vous inquiétez pas, les gens voient encore en vous la pauvre petite fille fragile, sensible et qui pleurait. Mais vous n'êtes plus comme ça, n'est-ce pas? Évidemment, tu crois quoi? Ah, faut dire que vous avez eu un entraînement avec une maîtresse qui dépasse l'excellence. Et l'élève a dépassé la maîtresse. Je peux battre n'importe qui maintenant. Non, justement, vous avez encore beaucoup à apprendre. Oh, mais lâche-moi! Oh! Cette quête arrive au bon moment finalement. Profitez de cette opportunité pour progresser. Blablabla, je sais tout ça. Bon, j'ai pas que ça à faire, j'ai des princes à sauver. Attendez. Hein? Suite à l'appel de Kaylan, la maîtresse d'armes, des bruits de sabots se font entendre. Vient à leur rencontre un magnifique cheval blanc au crin d'or, un destrier à l'air noble, suffisant et hautain. Les regardant avec un certain dédain. Surtout pour Erika le dédain. Voici Bucéphale, votre destrier. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire qu'il était très porté sur l'hygiène. Et alors, je vois pas le rapport. Vous vous êtes lavé les mains? Hein? Il insinue que je suis crade? Ou pas assez propre à son goût? C'est pareil, il sait au moins qui il parle. Ça ira, faut juste être propre. Compagnon suivant. Compagnon suivant. Devant Erika se trouve un gigantesque sac à dos. Un sac qui mange? Allez, montre-toi. Face à une princesse aussi perdue que dubitative, le sac se tourne lentement, laissant apparaître sa propriétaire. Une jeune fille, frêle, chétive, forme à poche en fait, en train de grignoter ce qui semblait être un petit gâteau. Elle paraît incarner l'innocence même. Hein? Voici Pita, votre écuyère. Mon écuyère?
Elle vous aidera dans votre mission. J'ai pas besoin d'aide. Ah oui? Vous savez comment trouver à manger? Non. Vous savez cuisiner? Non. Vous savez prendre soin de votre épée? Non. Vous savez laver votre culotte? Ma culotte? Vous n'aurez plus de dame de chambre pour laver vos fringues. Elle est surtout là pour vous guider. Elle connaît le royaume comme sa poche. Pas convaincue, Erika juge les cuillères qui s'avancent vers elle. Vous voulez goûter? Erika ne répond pas et prend ce que lui tend Pita. Pourquoi je goûte ça? J'ai mis des asticots, du placenta de jumeau, avec de la mousse d'arbre saupoudrée d'ongles de doigts pieds concassés, et même que c'était les miens. J'ai encore oublié de vous dire que c'est une excellente cuisinière. T'as voulu m'empoisonner? C'était pas bon? Bien sûr que non! Erika a ici commis une erreur monumentale, critiquant ainsi la cuisine raffinée de son écuyère. Cette dernière a un regard noir, subtil mélange de rage et de folie, en se dirigeant vers un énorme rocher. Mais qu'est-ce que... Elle le lève, sans aucune difficulté, avant d'essayer à plusieurs reprises de l'abattre violemment sur la princesse. Qui n'en revient pas qu'une aussi petite chose soit aussi forte. Quelle force! Ah oui, il y a encore un autre truc. En fait, faut jamais dire du mal de sa cuisine. Il en va de votre survie. Y a d'autres trucs que tu aurais oublié de me dire? À part dire que finalement son plat était bon pour la calmer, non, je vois pas. Espèce de moi! Son plat était... délicieux! C'est vrai? Ouais, j'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Je vais vous en faire tous les jours alors. Oh, vous allez bien vous amuser, dites-moi. Lâche-moi. Bien, le moment est venu. Pita, Bucéphale, je compte sur vous pour arriver à supporter la princesse. Ouais. Avec le temps, on prend l'habitude, ne vous inquiétez pas. Vous, vous avez intérêt à revenir plus forte. Tu n'as pas besoin de me le dire. Allez. Pita, Bucéphale, on y va! Et c'est le cœur vaillant que la petite équipée, composée de la princesse Erika, de son écuyère Pita et de Bucéphale, son destrier hygiénomaniaque, part en direction de leur mission. De périlleuses aventures les attendent au-delà des frontières de Brut. C'est pas possible. Le garçon, c'est de la merde, de toute façon. Le mariage, tout ça. J'ai pas envie de me marier. Jamais je me marierai. Ça vous ennuie tant que ça de vous laver? Ben non, je réfléchissais. À quoi? À la quête. C'est bon là, Bucéphale, je peux monter? Ah bah quand même! Qu'est-ce qu'il faut pas faire, sérieux? Vous avez peur? Bien sûr que non. C'est juste que je ne comprends pas cette institution. Pour moi, le mariage ne devrait pas être une obligation pour quiconque. On devrait être libre de choisir de vivre comme on l'entend. Vous avez peur de ne pas trouver l'amour, c'est ça? Quoi? Mais non! N'ayez crainte! En chemin, vous croiserez certainement la route de votre âme sœur. Et vous vous fiancerez enfin! Justement, je veux pas! Ah bon? Je peux très bien me débrouiller toute seule. J'ai pas besoin de fiancée. Ok. Alors, quel est le royaume le plus proche? Ah, c'est celui-ci. Ça ne te semble pas bizarre? Quoi donc? Le fait que je refuse de me marier. Ben non. On peut pas vous forcer à faire quelque chose dont vous n'avez pas envie. Oh. C'est par là. Hé, hey, vous m'écoutez? Hein? Ah oui. Ok, allons-y. Hé, hey, attendez-moi. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.